On est toujours à La Rochelle, on a décalé le départ d'une journée. Et donc là, enfin, on attend en fait des assurances et un renvoi du contrat pour le skipper. Donc là ce matin on a fini les courses, on a préparé aussi des bidons en fait pour l'essence. En plus, on a 470 litres d'essence et en même temps le skipper il veut quand même monter à 1000 litres pour être sûr qu'on arrive à... que peu importe les conditions on arrive à délivrer le bateau à temps. Enfin c'est pas forcément à temps mais être sûr de, voilà, de pas rester 3 mois en mer parce qu'il n'y a pas de vent. Et... on est un peu hors saison. Il faut savoir que les saisons pour traverser, faire ces traversées normalement c'est plus pendant l'hiver. À partir des alizés c'est à partir de décembre et ça va jusqu'à à peu près mars. Donc là on est hors saison, ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est pas le moment le plus propice. Là je pense que je vais faire passer des images. En fait on est en train de vérifier aussi toutes les visseries. Vu que le voilier il est neuf, en fait on vérifie du moins tous les serrages qui ont été faits et on les assure avec des colchons. Et donc voilà, on attend. Ouais, les courses sont rangées, on attend un peu les assurances. Ce matin, l'autre équipier et le skipper, ils sont allés faire le... comment, aller chercher de la viande et les produits frais. Et là, moi, je vais m'occuper de mettre un nom provisoire sur le bateau. Enfin, le vrai nom du bateau, mais du moins de façon provisoire. Allez, on continue.